Jean, j'espère que vous allez bien. Hop là. Attendez, je baisse juste un peu le son parce que sinon ça risque d'être fort pour TikTok. Comment allez-vous? Depuis avant-hier. Bienvenue à vous tous, Gaudi, Caris, Mati, Tom, le Davidou, influenceuse. C'est marrant ton pseudo. Krusty Bat. Tous les habitués, c'est fabuleux, c'est tout. J'adore voir toujours les mêmes pseudos. Ça veut dire que vous êtes fidèles au rendez-vous et ça me fait plaisir. J'ai une super nouvelle à vous annoncer, je pense que je vais révolutionner votre vie et vous allez me dire oh, « Lily, c'est pas croyable que tu nous annonces ça !» Merci Antogos pour les confettis que je vois. Ah oui, alors attendez. Quand j'ai confetti, je veux voir si j'en ai aussi sur ma tronche pendant le live. Non, ça me fait juste en tiens, tu voulais voir, je suis une curieuse. Oui, donc j'ai une nouvelle et je pense que je vais vraiment révolutionner votre vie. Et comme je vous dis, vous allez me dire, oh, Lily, c'est pas croyable, pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt, on n'en revient pas. Je pense que vraiment, ça va changer absolument tout le cours de votre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Vous sentez que je vais vous dire de la merde de toute façon. La nouvelle absolument hallucinante, c'est que j'ai retrouvé mes lunettes. J'ai retrouvé mes lunettes qui étaient tombées sous mon lit. J'ai dû en fait les enlever un soir où je devais être bien claquée. Et je les avais posées, je pense, à côté de mon oreiller. Et quand je me suis endormie, j'ai dû foutre un grand coup dedans. Et bref, j'ai retrouvé mes lunettes. Ce à quoi je ne vais pas les mettre maintenant parce que je n'ai pas la vue qui tire. Je vais vraiment les garder dès que j'aurai la vue qui tire. Ouais, je sais, c'est...
Oh non, tu ne rêves pas, Cobb Forever, j'ai retrouvé mes lunettes. Je sais, c'est assez impressionnant. Vous annoncez comme ça de but en blanc, ça peut être une annonce un peu choc, mais vraiment, j'ai retrouvé mes lunettes. C'était la grosse nouvelle, ouais, voilà. C'était la grosse nouvelle. C'est pour vous dire à quel point ma vie est absolument passionnante. Heureusement que j'étais assise, mais heureusement, Morgana's World, je m'en serais voulu de t'avoir blessée. Bah, décidément, pas de répit. Bon, bah, écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est parti, hein. Où est Marie? Allô? Allô? Oui, Où est allô, Marie? José. Oui, ça va? Bonsoir, José. Oui, C'est... ça va, et toi? Oh bah écoute, ça va, je viens seulement de rentrer du travail, j'ai pas encore pris ma petite douche et je sens la fiente d'autrui, c'est une horreur. Mais José, je t'avais dit. Tu viens faire combien de jours en Côte d'Ivoire? J'ai envoyé mon billet d'avion à Monsieur Frédéric. Ça disait que j'avais acheté un billet, alors sans le savoir évidemment, hein, vu qu'apparemment je me suis fait arnaquer. Je pars le 2 et mon billet de retour, il est le 9. Je reste une Mais semaine. je t'avais dit de faire 2 jours seulement. Deux Mais jours. c'est pas grave, j'irai voir mon hamster Zovial, c'était mon chef des scouts. Là, c'est Il est vraiment ici? Ouais, mais c'est vraiment un petit clin d'œil pour les anciens qui ont connu Gottlieb et Fluide Glacial et tout le Écoute, tralala. écoute. Et j'irai voir hamster Zovial. Écoute, mais tu vas faire une journée, il va te faire visiter un peu une journée avec lui seulement, tu sais. Ouais, mais c'est pas grave si je passe qu'une journée avec Frédéric. Je te dis que j'ai mon ancien chef des scouts qui est. Donc tu vas rester avec lui, tu vas voyager avec lui. Ouais, il est à Port-Bouët. Et tu sais, José doit rester, José et Frédéric, il vit chez ses parents, tu sais. Donc il peut faire une journée avec toi, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord, après s'il veut venir à l'hôtel avec moi, j'ai réservé un hôtel 4 étoiles sur Abidjan. Alors écoute, Non, s'il veut mais toi venir à seul, l'hôtel avec moi, y a pas il de vit pas souci. seul. C'est un Ouais, jeune, il vit chez ses parents. ah, il vit Il ne chez peut ses pas parents, venir. bah ouais, bah je vais pas prendre ses Oui. parents, et je veux bien être gentil, mais quand même, j'ai pas envie de me taper la mama, hein. C'est bon. Mais il va faire une journée, il va se balader avec toi. À Et Bassam, ensuite. c'est ça? Non, pas tout. Pas tout dans la ville de Côte d'Ivoire. Ah, c'est dans la ville de Côte d'Ivoire, d'accord. Oui, pas tout. C'est Il va sympa. faire une journée avec toi. Une C'est journée avec génial. toi. Je suis trop Eh bien, contente, je suis impatient, mais il tu faut dois. vraiment. Faut que je prépare ma valise. Il fait quel Tu vas temps lui donner. actuellement? Eh bien, moi, je ne suis plus en Côte Ah d'Ivoire, oui, tu c'est vrai, sais. t'es plus en Côte d'Ivoire. Ah, il faudra que j'appelle Monsieur Frédéric pour savoir la météo sur Abidjan, parce que moi j'ai besoin de Il savoir est cool, si non? je prends une. Il est super sympa, j'ai vraiment adoré. Et on s'est appelé en visio parce que du coup, comme ça me permet de. J'ai pu voir son visage et je saurai le reconnaître quand j'arriverai à l'aéroport. Et j'ai trouvé ça très très gentil de sa part. Et il est très gentil. Il a été très poli. Je suis vraiment très 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 contente que tu m'aies présenté à Monsieur Frédéric. T'as vu, c'est un jeune Ah oui. patient. Ah, Je l'ai beaucoup parlé de toi. il est très gentil, Monsieur Frédéric. Vraiment. Je comprends tout à fait que ce soit un ami à toi parce que tu es une femme exceptionnelle. Donc c'est forcément, tu as des amis exceptionnels. Mais tu sais, tu vas lui donner quoi comme cadeau? Tu peux m'expliquer aussi? Je m'a dit qu'il te fallait un iPhone 14 et ce matin, je suis allée à la banque et j'ai retiré les 10 000 euros. Ah, ok. Voilà, je vais tout mettre ça dans ma valise. T'es sûr que tu veux pas une petite spécialité d'ici? Il y a des quenelles. Je peux Ben, ramener même des moi, quenelles? je t'ai dit, c'est pas en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est pour le jeune, Ah parce bah, je qu'il m'a peux lui beaucoup ramener aidé des. aussi. Ah bah, je peux lui ramener des quenelles alors. Je vais lui ramener des quenelles. C'est super bon Eh les quenelles. ben, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je t'ai dit de lui offrir un iPhone 14 Pro Max. Oui, je vais lui ramener, mais ça me ferait plaisir de lui ramener aussi quelques petites spécialisées typiquement Et françaises. ensuite un 14 Pro Max et quoi encore? Bah, tu m'as dit qu'il fallait un iPhone et puis de lui donner de l'argent.
Tu vas lui donner combien? Bah là, j'ai retiré 10 000, alors je vais lui donner les 10 000. 10 000. Bah oui. Ah ok. Mais tu dois retirer encore pour toi, tu Bah je sais. peux... oui, je vais retirer... Mais je peux retirer que 10 000 par jour. Alors il faut que j'y retourne Oui, mais... demain. Oui, parce que si tu lui donnes les 10 000, toi, tu es fauché, tu n'auras plus rien sur toi pour venir Oui, encore, ah oui, c'est pour vrai, j'y ai venir. pas pensé. Ah Tu bah il vois? faudra y aller retirer demain, oui. Oui, Ok. attends, demain on est jeudi, après vendredi, c'est Lily qui va m'amener à l'aéroport. Et puis, Eh ben ah, j'ai hâte. moi je voulais que tu lui donnes beaucoup d'argent là, il pourra aider aussi sa famille. Bah oui. Parce que Non, moi je oui, voulais que tu lui donnes beaucoup d'argent. bah je vais lui donner les 10 000, hein. Les 10 000, tu vois, tu crois pas que c'est peu? Bah je sais pas, après ça dépend, c'est ton ami. Tu penses que il aurait besoin de combien pour aider sa famille? Enfin, comme tu lui as dit, tu vas lui envoyer les 10 000 et de là-bas tu sais que tu pourras envoyer de l'argent après encore. Oui, S'il je a pourrais. besoin d'argent, il va t'appeler. Oui. Comment tu vas t'arranger pour envoyer de l'argent? Eh bien, je ne comprends pas. Bah je verrai Tu avec lui vois? sur place après. Ah, ok. Donc, si tu viens, puis j'ai vu si ton... Non, tu m'as pas envoyé ton billet d'avion. Tu viens, tu as atterri ici à quelle heure? Si tu veux, je te l'envoie? Non, 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 je demande, tu as atterri juste à quelle heure? Oh, je sais plus. Faut que je regarde. De toute façon, Ah, là, ok. j'ai un petit peu bu. Alors, j'ai bu 2 cubis. Je suis un petit peu bourré, mais je vais regarder. Si tu viens ici, j'espère que tu ne vas pas boire. Ah non, 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 je vais pas boire. La dernière fois que j'ai bu, Hein. j'ai fini dans une tournante, dans une cave à Trècheville. C'est bon, hein, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je me Je suis fait vais. souiller jusqu'à l'âme. Je peux t'assurer que Et j'ai dû faire plein vous allez d'Ave vous Maria promener à pour Abidjan laver pour. tout ça. Hein. Vous allez vous promener dans Abidjan pour manger dans le vrai coin? Ah oui, tu connais des petits restaurants sympathiques sur Abidjan? Eh bien, moi, il y a KFC. Ah oui, KFC, Tu vois? c'est de la grande gastronomie, ça. Eh bien, tu pourras lui acheter de vêtements aussi, tu sais? Il est tout nu? Non, Ah! juste tu pourras lui acheter des... Eh bien, bon, ce que moi, je t'ai dit de lui, pour lui donner, quand il m'a beaucoup aidé aussi, ce jeune petit. Un iPhone 14 Pro Max et tu lui donnes de l'argent. D'accord. C'est fini, c'est tout ce que je te demande. Oui, d'accord. D'accord. J'aimerais que juste que tu demandes à Monsieur Frédéric de te renseigner, qui se renseigne. J'aimerais vraiment manger dans un petit restaurant typiquement avec les spécialités de la Côte d'Ivoire. J'aimerais manger Ok, les pas de spécialités soucis. locales. Ça c'est quelque chose qui me ferait vraiment très, très, très plaisir. Et Ok, je pas de l'invite au soucis. restaurant, Mais je peux je lui t'ai dire, dit. hein. Ok, mais je vais. Mais il m'a dit c'est juste une journée qu'il peut faire avec toi quand tu atterris. Et ben, vous vous croisez, vous parlez un peu, discutez, et vous allez manger. Et puis ensuite, lui rentre. D'accord. Eh ben, on ira se faire un C'est petit tout? restaurant, tête à tête. Ça me fait plaisir. Ça. Tu lui diras que je Tu l'invite au n'es pas restaurant. fâché? Tu Mais n'es pas non! fâché? Il ne va pas. Et tu pourras lui donner ce qu'il t'a demandé parce qu'il ne va pas Bien trop durer sûr. avec toi. Bien sûr. Mais s'en fais pas. S'en fais pas. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, j'irai voir Hamster Jovial. Il sera content de me revoir. Ok, ben Frédéric, c'est fini, il reste en dehors de tout ça, hein. Ah oui. Je vais juste passer une journée avec lui. Puis après, il rentre chez lui. Et moi, je continue C'est ma fini visite. jusqu'à tu rentres. Tu vas Oui. plus le revoir, hein. Non, après, je n'irai plus le voir. Ok, pas de souci. Donc, tu m'as dit, tu vas lui donner quoi? Bah, Un je tiens beaucoup à iPhone, ça. oui, je sais, un iPhone 14 et 10 000 euros. Et il faut que quand je le vois, je lui achète des vêtements et qu'on mange au resto. Non, non, c'est bon, c'est bon. Les 10 000 euros, il va rembourser des femmes. Et ensuite, ben, il sera genre ton petit chouchou, tu Oh, sais? ce sera mon petit chouchou, oui. Ton petit chouchou. D'ici, il pourra t'appeler à ben, Monsieur José. Est-ce que je peux avoir un peu d'argent? Oh, Et mais je toi, tu dis quoi? l'aiderai, ben je l'aiderai avec grand plaisir, ce petit jeune. Ok. Moi, j'aime bien aider les Ok. gens. Ok. Tu fais comme moi. Oui, j'en fais pas, Tu fais Maria. comme moi.
Mais si, mon amour de José. Bah, je sens prêt, Marie, ma petite tranche de salami épicée. Tu dis tu viens samedi, non? Oui, j'arrive samedi. Ok. Mais moi, je pense que ton avion va atterrir ici le soir, non? Oh, je sais La plus. nuit. Oh, je sais plus, Marie. Il faut que. Il Et faut. si tu atterris ici la nuit, tu voulais le croiser? Bah, si c'est la nuit, non, je préfère 6 heures, mais on se voit le lendemain matin. J'irai d'abord directement à mon hôtel. Ben, tu dors et tu l'appelles le matin. D'accord. Ok, on fait ça. Jean, c'est le dimanche matin hein, que tu vas l'appeler. Lui te trouve où? Abidjan. Je vais lui faire la commission. D'accord. Bah, je lui envoie le nom de mon hôtel. À ce moment-là, il me rejoint à l'hôtel et puis après, bah, on ira manger un bon resto. Et s'il a de l'argent pour te rejoindre, c'est ça aussi le problème, hein, tu Ah vois. ouais, bah je vais. Ouais, oh là là. Écoute, Marie, je vais voir tout ça. Je veux juste prendre une petite douche parce que je viens seulement de rentrer du travail. Donc tu Et me... je te rappelle après ma douche parce que là, je sens le caca d'autruche. Géraldine a mangé un peu trop de framboise et elle m'a fait caca sur les chaussures. Ok, pas de soucis. Et ça pue, hein. Je te jure que ça pue le caca d'autruche. Si tu dois l'aider ce jeune, tu sais. Merci. Oui, je vais l'aider, s'en fais pas. Merci, José. Mais À je t'en plus. prie. Bisous, ma couille. Bisous, José. Fabuleux. Tu vas lui faire croire qu'on t'a kidnappé à Abidjan. Je sais pas encore. Ça, ce sera samedi. De toute façon, généralement, je fais un live en plus le vendredi soir. De toute façon, dans tous les cas, il va pas avoir de nouvelles de moi du week-end comme à chaque fois. Je sais pas s'il a capté qu'à chaque fois, je lui parle seulement le lundi, le mercredi et le vendredi. Je sais pas s'il a capté. Non, il a pas capté. Bienvenue, Butyral. Ah oui, mais j'ai même pas regardé ça. Merci, Xenmas, qui m'a envoyé 8 bits. C'est adorable. Merci beaucoup. C'est fou quand même, il est à fond, mais bien sûr qu'il est à fond. Mais je lui ai donné aussi toutes les raisons d'être à fond. Pourquoi il douterait de moi maintenant? C'est affreux, j'ai la tête qui est toute blanche. Mes gosses, ils ont dû toucher ma ring light. C'est mieux, oui, c'est mieux. C'est mieux. Alors, oui, j'ai pas oublié, je sais, je me rappelle très bien que vous m'aviez demandé un rap de José. Je ne l'ai pas oublié. J'ai écrit les paroles aujourd'hui. Alors, je parodie une chanson parodique. Pour vous dire la vérité, je ne vous dirai pas quoi. Mais le problème, c'est que en écrivant les paroles, je me suis retrouvée à rire comme une grosse mongole. J'ai réussi à me déclencher des crises de fou rire toute seule, comme une grosse teubée, parce que, soyons honnêtes, je suis une grosse teubée. Et donc, je me suis déclenché des crises de fou rire toute seule. Donc je me suis dit, le mieux à faire, je t'ai découvert sur TikTok, j'adore le concept. Merci beaucoup, Butyral. Et je me suis dit, le mieux à faire, vraiment, c'est d'enregistrer la chanson et de la faire écouter à Marie. Donc Cento m'a donné un logiciel pour pouvoir enregistrer. Et j'enregistrerai la chanson. Et je la ferai écouter à. Je la ferai écouter à Marie. Du coup, vous la découvrirez à ce moment-là. Voilà, je vous dis, j'ai fini d'écrire les paroles parodiques aujourd'hui. Mais il faut maintenant que je l'enregistre. Voilà. Pour ton projet de kidnapping, tu peux dire direct qu'un taxi t'a emmené dans un endroit désert. Oui, c'est pas faux. Je peux faire ça. Quoi, mais non, ce suspense. Oh, je suis désolée, mais je vous dis, l'ours m'a pris comme m'a regardé avec. J'aime énormément mon mari parce que sans parler, bon, même si là il a parlé, sans parler, il a ce regard où il me regarde quand il me voit me faire rire toute seule et ce regard vide, vous savez, où il se dit, ma femme est une mongole. Est-ce qu'on vous a déjà regardé comme ça? Un regard, se dire, c'est un cas désespéré. Ma femme est une attardée.
Voilà. Donc, tout à l'heure, on était posé en terrasse et je me suis mise à rire toute seule parce que j'étais en train d'écrire la suite des paroles et il m'a regardé comme ça et il m'a dit, c'est quand même fabuleux, tu arrives à te faire rire toute seule. Tout à fait, Neuro, c'est un peu comme ça. je connais que trop. Ah bah ça me fait plaisir. Lara, droite animalier. Tu n'auras. Ah oh là là, attendez, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Attendez, je vais aller sur là-dessus. J'arriverai mieux à suivre parce que là, c'est un peu la folie. Tu pourrais dire au dernier moment aux gens en Afrique que comme trois pays de Francafrique mais ont déjà sauté, on m'a dit de ne surtout pas aller en Côte d'Ivoire pour ma sécurité. Je verrai vraiment. Je prends absolument toutes les propositions qu'on me fait. Parce que par exemple, cet après-midi, quand j'étais en train d'écrire les paroles de la chanson, eh ben, Fab m'a donné une idée, un moment de parole que j'aurais jamais pensé moi-même. Et c'est tellement drôle que je l'ai gardé. Parce que ça m'a fait rire. On a confiance en ton génie, on sait que ça viendra tout seul et que tu auras oublié nos suggestions. Non, 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 généralement, j'essaie quand même de m'inspirer des suggestions que vous me faites. Hein. Et c'est qui va s'occuper des animaux de José pendant son périple? Ah ben, c'est Lily. Tu n'aurais pas envie d'arrêter avec Marire de passer à un autre brouteur? Il commence à m'agacer. Il t'agace? Oh bah comment ça se fait? Mais j'en ai un autre cas où d'ailleurs on peut l'appeler hein, si vous voulez. C'est Oliver qui je ne comprends pas pourquoi tu prends du temps pour me répondre. En fait. Oliver, il a l'air un peu au taquet. Moi je dirais que tu es bien élevé et que tu as trouvé Frédéric à marier et tu donnes plus de nouvelles. Genre tu es bien arrivé mais tu t'es trompé de gars en arrivant. C'est une excellente idée ça. Oliver Twist, non, c'est Oliver. Il est trop agressif, Oliver. Non, il n'était pas agressif, Oliver. Attendez. Attendez. Non, il n'était pas agressif. Il avait l'air un peu perché comme on aime. Hein. Mais il essaye souvent d'appeler. On peut essayer de le rappeler. Je me rappelle même plus ce que je lui avais dit. Avec la photo de chat qui se font un bisou. Pathétique. Plus je peux garder ma voix normale. Oh oui, les mains. Oui, tout à fait, Tom. Il est pas aussi perché que le brouteur de la. Non. José à la douane pour quenelle illégale. Ou tu te trompes de Frédéric, c'est une bonne idée, ça. Non mais je pense honnêtement que l'idée de je me trompe de Frédéric pourrait être excellente. Parce que si par exemple je décide de l'appeler, il faudrait que Sento tu sois disponible et pour que tu fasses la deuxième voix et que j'appelle Marie en disant c'est bon, je suis bien avec Frédéric. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Alors je me trompe vraiment de Frédéric et je passe la journée avec... Avec le mauvais Frédéric, et après je donne plus de signes de vie. Raphaël a pris un abonnement niveau 1 pour 6 mois d'avance. Oula, 6 mois! Merci beaucoup Raphaël, tu vois loin. 6 mois, je sais même pas si dans 6 mois je serai encore là, c'est très ambitieux. Je suis obligée de rester pendant 6 mois de plus maintenant, vu que tu t'es pris un abonnement pour 6 mois. Et merci aussi Inès Boubou. Le mauvais Frédéric à qui tu donnes tous tes sous. Ouais. Je trouve que ça, c'est une super idée. Ouais, reste 6 mois de plus. Oh,
Aldo, c'est quoi ces jolis souliers? Alors, Twitch, vous devez pas comprendre. Si je dis des choses comme ça, c'est parce qu'on m'envoie des cadeaux et là, ça a fait une paire d'escarpins rouges absolument magnifiques. Très jolis. Ah oui, excellente idée. Et on veut voir la tête de Marie ou plus photo Frédéric à l'annonce. Ouais. Ou alors, il faudrait que j'arrive à faire un montage de la tête de José. Si tu peux faire un appel avec Frédéric pour que Sento fasse sa voix. Ah oui, ouais, je vais faire ça. Attends, on va appeler Frédéric. On va appeler Frédéric. Sento, c'est bon, t'es là pour que tu puisses enregistrer sa voix? En même temps, un Frédéric de 1 m 40 à Abidjan, je ne sais pas si c'est très courant. Oh mon Dieu. J'aurai la rediff, mais fais-le parler beaucoup. D'accord. Ok, je vais le faire parler beaucoup alors. Je vais peut-être en profiter quand même pour vous montrer le... Bah, pourquoi ça a atterri là? Le billet de train. Alors attendez comme d'habitude. Tic, tic, tic. Juste un instant. Je vais zoomer, hein, vous en faites pas. Voilà. Donc, je lui ai envoyé. Ça, je l'ai envoyé à Frédéric. Hein, je l'ai pas. Oublie pas de demander la météo. Bien vu. Save baby animals. Donc voilà, du coup, j'ai toutes mes infos de train. Alors, à savoir qu'en plus, c'est un vrai vol. Donc, s'il décide d'aller vérifier. Par contre, alors, je tiens à dire, parce qu'il y en a plein qui écrivent, que se passe-t-il si José dit à Marie qu'il s'est fait prendre toute sa thune? Oh, que c'est joli, Aldo, cette espèce de petite balançoire. C'est mignon comme tout. Mais Sento, il régale. Sento est exceptionnel. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut faire un shout-out pour Sento? Sento me fait absolument mourir de rire. Il est assez incroyable, Sento, faut le dire. Donc voilà, donc ça c'est mon billet de train et d'avion. Et vu qu'ils avaient dit que j'en avais pour 2651 euros, et bah du coup, je crois que c'est le vrai Scorpio qui m'a fait cette... si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le vrai Scorpio. Attendez, je vais vérifier. Je veux pas dire de bêtises. Mais il me semble bien. Tit, 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 tit. C'était dans photomontage. Et oui, c'est le vrai Scorpio, encore une fois de plus. Et qui m'a dit c'est basé sur un vrai vol, s'il veut vérifier. Donc même s'il va vérifier, c'est un vrai vol. Il y a juste la facture qui est fausse, parce que 2651 euros, c'est pas ça. Voilà. Hop, on remet comme ça. Tac. Voilà. Alors, je vais juste attendre pour l'appeler parce que je lui ai dit que j'allais prendre ma douche. Non mais Lily, sérieusement, je te vends un billet de train et toi tu prends l'avion. Oh, c'est quoi? C'est trop mignon ce petit canard. Merci encore une fois de plus. Aldo, j'ai vu aussi qu'il y avait Pascal Fripouille qui m'avait envoyé un cœur et puis Antogos qui m'avait aussi envoyé les chaussures rouges là. C'est très très joli. J'ai de plus en plus de monde sur TikTok et du coup je découvre les animations des cadeaux. C'est très 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 joli. Vraiment. Alors, l'empreinte CO2 du scambaiting est horrible. Ouais, vraiment. Vraiment. Mais il a l'air d'avoir des trucs, super trucs sur TikTok. C'est quoi ces animations? Alors, ces animations, c'est le même principe que pour vous sur Twitch quand vous envoyez des beats ou vous prenez des subs, des trucs comme ça. Je reçois des petites alertes ou autre. Mais les abonnements n'existent pas sur TikTok. Sur TikTok, les gens, s'ils veulent m'encourager et me soutenir, en fait, ils m'envoient des cadeaux. Ça s'appelle comme ça. Voilà, là, par exemple, j'ai des cotillons qui viennent d'apparaître et tout. Sauf que TikTok fait ça vraiment comme des animations.
mais une animation réellement, c'est-à-dire que d'un coup sur l'écran, il y a des cotillons qui apparaissent. Quand c'est une balançoire, ça a fait une balançoire là où il y avait un petit cœur assis qui se balançait. Enfin, j'ai eu un espèce de petit canard avec un poussin sur le dos. C'est toutes des petites animations un peu mignonnes, jolies comme ça. Et en fait, les gens voient des cadeaux et à chaque cadeau, il y a différents cadeaux et ça fait une animation. Et ça, je trouve ça existe les abonnements sur TikTok. Et ben, je le savais même pas. Je le savais même pas, mais en même temps, je vous mens pas, ça fait 4 mois que je fais du stream, 4 mois, je vous dis que je suis une quiche. Si, ça existe aussi. Et ben voilà, et ben écoutez, et ben voilà, je me suis plantée sur toute la ligne. Ça existe aussi, les abonnements sur TikTok. Et ben je le savais pas. Donc, voilà, non, et voilà. Et du coup, les gens m'envoient des cadeaux avec des petites animations. Et c'est vraiment très joli, c'est très joli. Et je pense au Wiz quand tu décris ça. Les animations qui te popent au nez, c'est exactement le même principe que les Wiz sur MSN. Tout à fait. On se souvient surtout, et je le trouvais affreux celui-là, vous savez, vous aviez un gros emoji qui avait les deux mains comme ça et qui faisait comme ça. Vous en souvenez aussi de celui-là. José est impatient d'aller dans le grand restaurant KFC de Abidjan. Totalement. Je pense que là, José trépigne d'impatience d'aller se taper un KFC en Côte d'Ivoire. Le petit cochon qui fait toc toc toc, oui aussi. Le cochon, il était marrant aussi. Mais moi, ouais, je me souviens surtout de celui-là, là. Il était trop chelou. Oui, sauf que tu peux échanger les cadeaux que l'on t'envoie contre de l'argent. Oui, et ça aussi, je l'ai découvert. Enfin, c'est une des belettes qui me l'a expliqué, ça, parce que même ça, j'étais pas au courant. C'est vous dire à quel point je suis une quiche. Faut demander à Marie la météo en Norvège, mais je vais surtout demander la météo à Frédéric en Côte d'Ivoire. C'est surtout ça qui m'importe. C'est toi notre beau cadeau, Lily. Oh, merci. Merci, Sento. TikTok prend 70% sur les cadeaux, malheureusement. Oh, c'est affreux. C'est affreux. En fait, en pensant bien faire, vous vous faites dépouiller par la plateforme. C'est horrible. Je savais même pas ça non plus. Vous m'apprenez plein de choses. Bienvenue, Anna BZH29 et Roselyne Nérosie. Roselyne Rosie. Oh, je l'avais super mal prononcé. Roselyne Rosie. Tu la rappelles quand, Marie? Je vais d'abord appeler Frédéric parce que Sento va avoir besoin de que je le fasse parler pour pouvoir copier sa voix, qui me servira ensuite à prouver à Marie que je suis bien avec avec Frédéric. Allez, on va appeler Frédéric. Alors, Sento est actuellement sur TikTok et il demande pourquoi c'est gênant de dire Côte d'Ivoire. Je vais simplement t'expliquer, Sento, pourquoi sur TikTok, il faut éviter au maximum de parler de localisation, de tout ça. Parce qu'on a des petits bas de plafond qui font des signalements pour que dalle. Et je me suis déjà pris des avertissements, je me suis déjà fait ban de live pour... que dalle, vraiment que dalle. Donc il faut vraiment
Éviter au maximum de parler des localisations parce qu'après il y en a qui vont crier au racisme et tout. Ah, il y a Marie qui me rappelle. Oui, Marie. Oui, José, il y a eu Monsieur Frédéric au téléphone. Il m'a Non. dit que... Je l'ai pas encore eu, j'ai essayé de l'appeler, il m'a pas répondu. Non, j'ai dit moi. Ah, toi, J'ai tu dit l'as eu au moi. téléphone. D'accord. Oui. Je l'ai eu. Tu voulais parler avec lui? Bah oui, je voulais parler avec lui, je voulais savoir la météo qu'il faisait en Côte d'Ivoire pour savoir exactement Ok. quels vêtements il faut que j'amène et pour voir lui demander s'il avait bien reçu mon billet d'avion pour être sûr qu'il sache l'heure à laquelle j'arrive. Ok, pas de souci. Donc tu peux l'appeler. Bah je vais l'appeler alors. Ok, bisous, José. Bisous ma couille. Merveilleux. Alors, attendez, je lis les messages. Comment tu as su que Marie et Frédéric étaient la même personne? Alors, Alodis, je vais simplement te montrer la vidéo. Peut-être que tu n'étais pas là lors du dernier live. Tu ne devais pas être là. Sinon, tu aurais su pourquoi je sais que Frédéric et Marie sont la même personne. Écoute bien la voix. Attendez. Oui, ça va, et chez vous? Ça, c'est censé être Frédéric. Mais c'est vous. Il va Mais parler. vous pouvez un peu régler la caméra car je ne vous vois pas bien. Ah. Il y a Monsieur Frédéric qui m'appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur José. Monsieur Frédéric, bonsoir. J'allais justement vous appeler. J'étais en train d'enlever mes bottes en Eh bien. caoutchouc. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Avec cause de la transpiration, j'ai les orteils qui collent à la semelle. Ce qui Eh est bien, j'ai insensé, vu votre agaçant. appel, désolé. Oh, il n'y a pas de souci, monsieur Frédéric. J'ai vu. Eh bien, j'ai vu votre appel. Eh bien, je suis désolé de ne pas avoir pu décrocher, quoi. Oh, mais il n'y a absolument aucun problème. Je voulais savoir Ok. si vous avez bien reçu mon billet d'avion. Oui. Bah, Eh c'est... bien, oui, j'ai reçu votre billet d'avion. Eh bien, sur le billet, il est écrit, vous quittez là-bas à 14h35 C'est et ça. vous arrivez ici à 18h55. C'est ça, exactement. 18h55, il se fait pas trop tard ici. Oh, je Vous pense pas. voulez qu'on se croise? Oh, je. Marie m'a dit, vous devez me remettre quelque chose, ou bien vous voulez attendre le lendemain pour qu'on se croise, ou bien le jour Oh, de votre arrivée. je pense que je préfère peut-être attendre le lendemain. Je risque d'être un petit peu fatiguée avec le vol. Et je veux pas vous faire déplacer que pour une soirée, monsieur Frédéric. Parce que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous inviter au restaurant pour vous remercier de venir me voir. Parce que ça me fait vraiment très chaud au cœur. Ah, ok. Merci, monsieur José. Vous êtes très, très gentil. Vous êtes un homme de cœur. Oh, merci beaucoup. Si je pouvais avoir un monsieur comme vous le faites, ça me ferait très plaisir, quoi. Oh, ben je vous en prie, monsieur Frédéric. J'aurais simplement besoin que vous me disiez la météo actuellement à Abidjan, afin que je puisse préparer Eh correctement ben, ma valise. ici. Ici, il ne pleut pas en ce moment, il ne pleut pas. Il pleut Il ne pas. pleut pas, il fait Il fait soleil, chaud, il fait chaud. vous voyez? D'accord. Oui, il fait chaud. D'accord. Je sais que dans mon hôtel, il y a une Si vous piscine. pouvez prendre... Je vais prendre un maillot de bain. J'en ai acheté un très beau, Ah, ok. comme Borat. Vous, votre hôtel est où? C'est lequel? C'est quel nom? Oh, je sais plus. Faut que je regarde sur la réservation, sur le mail de réservation. Je sais plus. Ah, ok, c'est que c'est... C'est bon, c'est bon, c'est bon, pas de souci. Donc Eh bien, je sais juste qu'il y a une piscine. Marie. Je voulais à tout prix avoir une piscine dans l'hôtel parce que je me suis dit, oh là 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 là, s'il fait trop chaud en Côte d'Ivoire, moi je transpire très vite de la couille et j'ai besoin de me rafraîchir. Eh bien, ok, pas de souci. Eh bien, vous voulez venir manger où?
Vous voulez manger à Abidjan? On reste à Abidjan, on se croise là-bas. Et ensuite, moi je rentre. Oui, j'aurais besoin que vous fassiez une petite recherche pour moi, que vous recherchiez Y a quoi? un très bon restaurant sur Abidjan avec des spécialités ivoiriennes. Ça me ferait très plaisir. Ah, ok, vous voulez manger de l'ivoirienne? Oui, la nourriture Genre, ivoirienne. de Oui, j'adore foutou avec ça. de la sauce Oui, ou ça me du ferait riz plaisir. avec de la sauce graine. Oui, ça me ferait plaisir aussi. Et vous savez ces Mais vous fameux savez. plats là avec les escargots que vous faites. Ah! Comment Ah, ça ok! s'appelle déjà? Quel. Oh, je Je sais sais qu'on plus. doit manger dans un restaurant africain. Oui, Ça? bah oui. Vous voyez de Vous quel voulez plat je pas. Vous parle? voulez pas la. Quel plat? Avec les escargots que vous faites d'abord revenir à la poêle. Après, vous mettez des épices. Moi, je ne vois pas de quoi. Ici, il y a du vrai porc. Il y a beaucoup d'eau. Avec de la tchéquée. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Oh, ça date de quand Ben, j'avais comme. fait les scouts en Côte d'Ivoire. Je sais pas si Eh Marie ben, moi. vous a dit que j'avais fait les scouts en Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas parlé de ça, elle m'a pas encore dit. J'étais déjà venue quand j'étais C'est que si petit en Côte d'Ivoire. elle m'a dit qu'on pourra faire au moins une demi-journée, au moins 2 heures, 3 heures ensemble. Et moi, je D'accord. rentre. Oui, bien sûr, Je parce rentre chez que moi. j'ai mon ancien chef des scouts qui est Et tu toujours en sais, Côte il est d'Ivoire. toujours ici. Oui, Il du est coup, toujours je... ici. Oui. Tu as dû rentrer en contact avec lui. On n'a jamais coupé contact. Il m'a dit que j'avais été le trou sans fond le plus mémorable du gangbang annuel de Ok, Port-Bouët, comme donc... je ne veux pas que tu fréquentes des mauvaises personnes qui vont te faire un peu de mal à cause de ça. Je veux que Marie soit toujours fière de moi. Ah non, Elle ne mais pas que. Monsieur Frédéric, vraiment, ne vous faites pas de soucis, c'est un ami de très longue date. Il y a vraiment, vraiment rien à craindre. On se connaît très bien, il me visitait souvent la nuit quand j'étais dans la cabane. Ah ok, merci. Je Donc suis vraiment, vous heureux, je faites suis pas de content. soucis. Ok, merci. Donc, vous me dites que la météo, il pleut pas et il fait chaud. Donc, Non, il fait chaud, c'est bon. faut que je prenne des chaussures ouvertes ou je prends des chaussures Isabelle. fermées? Hein? Oui, la chambre est fermée. Oui, mais la clé est dessus. Oui, allô, monsieur José. Oui. Est-ce qu'il faut que je prenne des Eh chaussures bien, ouvertes ou des chaussures fermées? désolé, j'ai parlé avec mon oncle, quoi. Je suis désolé. Ah, y a aucun problème. Je veux juste savoir pour les chaussures. Vous portez les chaussures fermées car vous allez vous balader, non? C'est mieux que je prenne Fermées. des chaussures fermées pour me promener. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que je peux prendre mes bottes en caoutchouc? Non, Non, pas les ben des bottes. chaussures, Des des petits, baskets? non, pas de bottes. Pas les Voilà, baskets. juste des baskets, quoi. Ok. D'accord. Donc pas les bottes. Ça va être un petit Ok, peu ok. compliqué. Est-ce qu'il faut que je Vous prenne êtes un très gentil, chapeau? monsieur José. Mais je... Merci Oui. beaucoup. Un chapeau, oui? Oui, un chapeau, oui. Un chapeau, des lunettes de soleil aussi? Non, juste un chapeau. Juste un chapeau. Après, il faut que je prenne des Juste un chapeau. t-shirts manches Oui. courtes ou j'ai des débardeurs. Non, juste un t-shirt ordinaire. Un t-shirt ordinaire. Et des shorts ou des pantalons longs? J'ai besoin de savoir, c'est juste pour préparer. Oui, tu veux pas. Je crois bien un shot. Un short. Un Je short, d'accord. prends. Alors, si je mets un... Alors, attends, il faut... si je prends 4 shorts, il faut que je prenne 4 strings parce que mes boxers passent pas en dessous. Ça veut dire qu'il faut que je prenne 3 soutiens-gorge pour être assorti avec les strings. Vous portez quoi? Rien, je suis en train de réfléchir à ce qu'il faut que je prenne. Ok. Eh bien, excusez-moi, je peux vous demander quelque chose? Oui, dites-moi. Dites-moi tout, monsieur Frédéric. Marie m'a dit que vous allez me donner un iPhone 14 Pro Max et un peu d'argent. Bien sûr. Hein, monsieur José? Oui, bien sûr.
Et bien, elle m'a dit Attends. que vous allez me donner. Je sais pas. Il s'appelle. C'est ça la mon numéro. C'est mon. Hein, monsieur José? Oui. Elle m'a dit que vous allez me donner suffisamment d'argent. Bien sûr. Bah, je suis allée Ben, mais retirer 10 000 euros. elle m'a pas dit la somme, quoi. Bah, Que c'est j'ai matin. retiré 10 000 euros aujourd'hui. Est-ce que ça Ah, ok. suffirait, monsieur Frédéric? Eh bien, comme moi, je suis un jeune, je dois aller à l'école cette année. La rentrée, c'est pour bientôt. Je dois faire les Alors, je achats peux. aussi, Ah tu me oui, bah, comprends? je peux vous acheter un X-Pack. Je peux prendre un agenda. Je peux prendre des règles, équerres, compas. Je peux prendre des stylos-bics, Non, des non, non, non. ciseaux. Non? Ne vous dites pas, c'est quand vous allez me donner de l'argent, moi, après. Vous voulez pas d'un X-Pack, monsieur Ne vous Frédéric? dérangez pas, monsieur José. Vous êtes très gentil, merci. D'accord. Bon, bah, même pas des petits stabilos 4 couleurs. Non, c'est bon, Non, ça monsieur ira. José. D'accord. Merci, merci, D'accord. Alors, merci. je vous donnerai le téléphone et l'argent, alors. Comme ça, vous pourrez vous acheter les fournitures scolaires pour pouvoir aller à l'école. Ah, ok. Mais 10 000 ici, ça fait combien, car moi. Oh, bah, je sais pas, 10 000 euros, ça fait combien en francs CFA? Ah, ok. Attendez, je vais regarder. Convertisseur monnaie. Alors, convertisseur en euros et on veut des francs CFA. Francs CFA. Du coup, si on fait 10 000 euros, ça fait. Oula! Ça fait 6 582 233,98 francs CFA. Tu crois que c'est beaucoup? Je sais pas. À vous de me dire. Ben 6 millions, moi je crois que c'est peu. 6 582 233,98 francs CFA. Oui? Eh ben non, je ne veux pas vous demander beaucoup d'argent. Vous pouvez me donner ce que Vous vous avez besoin de voulez. plus? Je peux encore retirer demain 10 000 euros et je peux encore retirer Mais vous. 10 000 euros vendredi. Donc, je pourrais vous donner Vous allez 20 000 pas avoir euros. des problèmes. Bah non, ma banque, je peux retirer que 10 000 euros par jour. J'ai le droit que de retirer que des petites sommes. Je peux retirer que 10 000 par jour. Hein. Du coup, bah, là, j'ai déjà retiré les 10 000 pour aujourd'hui. Mais je peux Parce que retourner tu dois retirer avoir 10. beaucoup d'argent aussi. Ah bah Tu oui, dois avoir j'ai. beaucoup d'argent aussi Bah. ici pour si tu veux faire au moins des achats le jour que tu rentres. Tu vois, Oui, mais j'ai mon tu me chéquier, comprends? ça pose pas de problème. Ah, ok, pas de souci. Donc Vous êtes ça, c'est. vraiment généreux, monsieur José. Vous Oh, êtes mais ça maître. me tient à Je vous cœur, monsieur remercie. Vous allez Frédéric. beaucoup m'aider. Mais ça Vous me tient à allez cœur, monsieur m'aider. Frédéric. Merci. C'est émouvant, monsieur José. Merci. Mais Merci. je vous en prie, monsieur Frédéric. J'aime énormément Eh Marie. bien, C'est vraiment la femme de ma vie. j'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux. Merci, monsieur José. Moi, pareil, j'ai la larme des fois au bout du skeg, mais c'est de Merci. la transpiration qui m'échappe. Merci, Marie aussi, c'est une très bonne femme. Là C'est là. bon, monsieur José, c'est Elle est bon. merveilleuse, Marie. C'est la femme de ma vie. Je l'aime tellement. Elle est adorable. Merci. Merci, monsieur José. Ouais, Merci. je vous en prie, monsieur Frédéric, ça me tient à cœur et de motiver les petits jeunes comme vous. Merci. Eh bien, Marie m'a donné beaucoup de conseils aussi. Elle m'a dit de me concentrer, d'aller à l'école. Le fait que quand elle pourra m'aider, elle fera. Oh, c'est une personne merveilleuse. Ah, oh, Marie, Mais comme, elle est comme merveilleuse. elle, elle t'a mis sur, elle, comme elle t'a mis sur mon chemin, donc peut-être toi, tu pourras m'aider si je Bah veux ouais. comprendre. Bien sûr, bien C'est ce sûr. que, c'est ce qu'elle m'a dit, que tu pourras m'aider. Mais bien sûr que je pourrai vous aider, monsieur Frédéric, et ce sera vraiment avec grand plaisir. Vous êtes sûr que depuis chez vous, vous êtes tous en France, non? Bah oui, en France, oui. À Lyon. Et si vous êtes en, genre, si vous êtes en France, que moi je suis sûr que vous pourrez m'envoyer de l'argent, Oh et ça bah aussi. oui, je pense que c'est tout à fait faisable. Mais vous le ferez comment? Ce serait bien que
Est-ce que tu as un compte bancaire? Si t'en as pas un, je peux t'en ouvrir un quand je serai en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, ce sera plus facile. Ce que je pourrais faire, c'est que quand je serai en Côte d'Ivoire, j'ouvre un compte bancaire à mon nom, en demandant une carte bleue, et je te laisserai la carte bleue. Et je te mettrai de l'argent régulièrement sur ce compte. Ah, ok. Ça pourrait être une bonne solution, ça, monsieur Frédéric. Tu penses pas? Ok, monsieur José, mais vous. Il n'y a pas de souci, monsieur José. Je vois, vous m'aidez beaucoup. Merci, monsieur José. Bah, je vous en prie, monsieur Frédéric. Voyons, pas de Et politesse comme ça entre nous. bientôt, je pourrai venir chez toi aussi. Bien sûr, avec Marie, et puis je vous ferai mon fameux cassoulet. Les cassoulets à la gencive de porc, je crois que c'est la meilleure sauce. Ok, Oh mais là pas tout de là, suite. il y a un Je chien vais qui m'a rester l'air un ici peu un peu. agressif derrière. Pourquoi il aboie le Oui, chien? c'est chez le voisin. André, il y a quelqu'un qui est venu Ah, c'est pour klaxonner à ça la qu'il aboie. porte. Il est en train de crier. Et comment veut... Ah Ok, non, ça c'est merci, Marie. monsieur José. Je suis très content. Vous me rendez heureux. Merci, Oh, monsieur je José. vous en prie, monsieur Frédéric. Je vais vous laisser parce que j'aimerais bien quand même parler à Marie avant d'aller me coucher. Ça me ferait plaisir de revoir ma femme au téléphone. Ok, merci, monsieur José. Mais je vous en prie, passez une très bonne soirée, monsieur Frédéric. Pareil à vous aussi. Pareil à vous. Au revoir. Au revoir. Il n'y a absolument aucun effort sur le changement de voix. Oui, vous avez vu que j'étais à deux doigts de demander comment va la grenouille. Et je me suis retenue. Je me suis dit, non, merde, c'est Marie qui m'avait dit la grenouille. Et du coup, je pouvais pas lui demander à lui comment allait la grenouille. Vous avez vu que j'étais à deux doigts, ouais. J'étais à deux doigts de lui demander comment va la grenouille du voisin. J'ai failli merder. Ça va, j'ai pas merdé. Bon, alors, ce que je retiens de cet appel, c'est que je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire avec mes bottes en caoutchouc. Je pense qu'il doit y avoir une interdiction de la douane. Je sais pas, il y a peut-être un embargo sur les bottes en caoutchouc. Il n'aurait pas capté, c'est sûr. Ah, j'ai failli emmerder, hein. Je me suis dit... Il a pleuré un moment, il a mimé un pleur. Il n'a pas pleuré réellement, il a mimé un pleur. On va pas appeler ça des pleurs, on va appeler ça un mime de pleurs. Il y a Marie qui est en train de m'appeler. Oui, Marie. Allô, madame, comment tu vas, chérie? Je suis aux toilettes, je peux juste finir ma petite affaire. Ok, pas de Et je te soucis. rappelle, d'accord? Ok, Parce bisous, que chérie. là, j'ai un peu mal au ventre. Bisous. Je te rappelle Après? après. Oui, je te rappelle après. Je crois que c'est l'excuse la plus lamentable que j'ai pu sortir et je le sors toujours à Marie. Je lui dis à chaque fois, je peux te rappeler plus tard parce que je suis aux chiottes. Il prend quand même une voix plus aiguë en Marie. Oui, mais qui attale seulement les 2-3 premières minutes. Après, il lâche l'affaire et il me parle avec sa vraie voix. Et tu verras que la voix est exactement la même que celle de Monsieur Frédéric. Ce serait bien de l'appeler le jour dit d'un autre aéroport, genre tu t'es trompé de ligne. Ce serait pas mal aussi. Et moi je divorce direct, mon homme me fait ça, je divorce. Oh arrête, c'est marrant. On n'entend plus le chien. Ouais, c'est vrai. On n'a pas entendu le chien là. En effet. Ouais, mais c'est une bonne excuse, tout le monde y va, c'est ton droit d'y aller souvent. Exactement. Si j'ai un transit un peu capricieux qui, à la moindre variante émotionnelle, se déclenche, c'est mon droit. Enfin, c'est le droit de choisir. Vous avez vu au fait que ça y est, j'ai pu remettre mon casque. J'ai arrêté de squatter le casque de mon fils. J'ai commandé un câble, et vous savez, un câble avec le fil comme ça.
pour pas que mon chat puisse le bouffer. Vous voyez? Ce genre de câble. Comme ça, elle ne pourra pas manger celui-là. Arnaque, si tu peux le faire crapahuter. Oh là là, attends, 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 j'ai pas eu le temps de voir. Le faire crapahuter pour te retrouver serait vraiment drôle. Oui. Oui, ce serait drôle, ça. Mais là, c'est quand même assez exceptionnel. Je vais réaliser un truc que je n'ai. Ça fait quand même 3 ans que je chasse les brouteurs. Ça fait quand même 3 ans que je les fais guêche, vraiment un max. Hein. Mais ça, faire déplacer un brouteur à l'aéroport d'Abidjan, pour moi, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé, je tiens à le dire. Et là, faudrait faire une photo vendredi avec le téléphone et 30 000 euros pour le faire saliver. Ce serait exceptionnel. D'arriver à faire un photomontage d'une valise avec l'iPhone 14 Pro Max, je sais pas quoi là, et puis les liasses de billets pour, voilà, pour lui montrer ma bonne foi. Ouais, là, vraiment, voilà, ce que dire, je me dis la petite vengeance, quoi, le nombre de victimes qui se sont déplacées dans des bureaux de tabac, et là, moi, je fais déplacer un brouteur. Parce que j'ai eu des commentaires, oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai eu des commentaires de gens qui me disaient. Mais t'as pas honte de profiter de la misère humaine. Alors, je ne savais pas que misère rimait avec délinquance. Ça, c'est une nouveauté. Vous savez, dans la tête des gens, si vous êtes pauvre et dans la misère, vous êtes forcément délinquant. Mais par contre, moi, j'abuse de la misère humaine. Mais par contre, eux, ils abusent absolument pas de la gentillesse des gens. De la naïveté des gens et de la crédulité des gens. Pas du tout. Là, pas du tout. Ce gentil petit mari n'essaye pas du tout de dépouiller José. Absolument pas. Non, 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 non. C'est vraiment de. C'est vraiment de l'amour pur. Il te parle tous les jours, Marie. Il essaye de me parler tous les jours, mais je réponds pas tous les jours, moi. Miséreux avec plusieurs lignes téléphoniques, exactement, voilà. Ah, mais j'en ai eu hein, des gens oh là, qui me disaient que je devrais avoir honte de ce que je fais ou autre. Ouf. Il est quand même allé inventer deux personnages pour gagner 2 fois plus quand même, ouais. Ouais, moi je suis allée jusqu'à inventer 4 personnages pour le faire chier. Parce qu'il y a Dalila, José, Lily et le commissaire. Il a parlé avec du beau monde hein, quand même. Ce qui est ouf, c'est qu'ils ne le prennent pas mal, Marie, quand tu réponds pas tous les jours. Oui, mais à chaque fois, je réponds pas et à chaque fois, j'ai toujours une excuse. Et généralement, l'excuse, c'est que je travaille beaucoup. Je travaille à la ferme. Donc, et je travaille avec les animaux. Et je lui ai déjà dit, les animaux ne peuvent pas attendre. Les animaux ont besoin de moi, ont besoin de ma présence. Je suis indispensable pour les animaux. Vous avez compris? Sandos fait comme toi, tu leur pourris leur temps, c'est beau. Oui, exactement. Tout à fait. Dites-vous bien que le temps qu'il passe avec moi, en plus à lui faire croire qu'il va réellement avoir le jackpot, c'est tout du temps qu'il ne peut pas. Vider le compte d'une vraie victime. Ils ont plusieurs victimes en même temps. Évidemment qu'ils ont plusieurs victimes en même temps. Moi, je le vois quand je pète leur compte Gmail. Et ça, Victor peut vous le dire aussi. La quantité de victimes qu'il y a dessus. Oh, mais l'Alain est là, j'ai vu. Est-ce que quelqu'un peut faire. Si les modos peuvent faire un shout-out pour l'Alain? Et Enid Name, j'ai vu aussi qu'elle était là. Donc, je me suis fait arnaquer. Donc, ça me fait plaisir. Merci à toi. Mais de rien, Jessica. Merci à toi surtout d'oser le dire. D'oser le dire, d'oser en parler et de ne pas rester comme les 3 quarts des victimes à ne pas oser en parler, à culpabiliser, à avoir honte de soi. Non,
comme je dis, les victimes, c'est des victimes, c'est des personnes victimes de manipulation. Donc, vraiment, les gens qui disent, mais c'est pas possible de se faire encore avoir en 2023. Allez, vas-y, étouffe-toi avec ta bave. Émilie Jolie a renouvelé son abonnement Prime. Merci beaucoup, Émilie Jolie. Joali. Joali. Ah, j'ai failli mal lire. Hein. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'escroquerie. Si. Le bar à l'offre, c'est de la manipulation sentimentale pour pouvoir escroquer. Mais ça reste de la manipulation psychologique et sentimentale. Ils ont aucun scrupule, absolument aucun, parce que moi j'ai essayé plein de fois, en disant comme quoi j'avais une association en Côte d'Ivoire pour aider les familles à avoir accès aux soins médicaux ou quoi que ce soit. Ils en ont eu rien à foutre. Ils ont quand même cherché à me dépouiller. J'ai essayé de jouer, moi, la carte de la pitié, de dire que j'avais perdu mon mari, que j'avais perdu mes enfants ou quoi que ce soit. Rien à foutre, hein. C'est-à-dire, si on peut dépouiller la veuve, on va la dépouiller. Ah, j'ai jamais eu, j'ai sorti pourtant des... Ah, attendez, j'ai un cheveu qui me... Je sais pas d'où il vient. Ma tête, évidemment. Comment il a atterri dans ma bouche? Alors avant, ça m'arrivait quand j'avais encore le piercing à la langue, ça s'enroulait autour, mais je l'ai plus donc. Ouais, j'ai vraiment essayé plein de fois, plein de fois, plein de fois, de faire des scénarios en essayant de vraiment jouer sur la proximité de son pays, hein, de dire que voilà, je faisais des bonnes actions pour son pays, j'essayais d'aider, quoi que ce soit. Avec mon homme, on les fait tourner en bourrique, mais c'est pas aussi poussé que toi. Eh ben, ne t'arrête jamais. Jenny, on va dire. Vraiment. Dis-toi bien que le temps que tu leur fais perdre, c'est du temps qu'ils perdent auprès de vraies victimes. Moi, je me suis fait arnaquer quand j'avais la personne au tel, c'était trois personnes différentes. C'est pas étonnant. C'est très souvent qu'ils sont sur la même victime. Hein. Généralement, vous avez un message code entre eux quand vous leur parlez, quand ils vous disent je reviens, je vais prendre mon bain ou je vais prendre ma douche. Généralement, c'est que vous allez avoir affaire à un autre brouteur derrière. Chien mange pas chien, comme ils disent. Oui, mais alors justement, le truc, c'est que si vous dites cette phrase, si vous dites chien mange pas chien, ce qui va se passer, c'est qu'il va penser que vous êtes brouteur. Vous êtes un brouteur. Et à force que que tout le monde utilise cette phrase chien mange pas chien, ils ont développé des nouveaux codes. Donc après, on s'est mis à s'apercevoir que c'était mon fils s'appelle Calo. Et il fallait répondre maman. C'est ça, Victor? Mon fils s'appelle Calo, maman. Il me semble que c'était ça. À la place de chien mange pas chien. Oui, c'est ça, mon fils s'appelle Calo. Mon fils Calo. Voilà, c'était leur nouveau code à la place de chien mange pas chien. Donc vraiment, évitez de dire cette phrase exactement pareil. Évitez de faire des reveals, de dire je sais que t'es un brouteur, je sais ce que tu fais, je t'ai grillé depuis le début. Si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire à quel moment je me suis fait cramer et il va essayer de s'améliorer. Donc, le faites pas. Tout comme les gens qui se disent, oh, mais t'es vraiment trop débile, t'as oublié de supprimer tes photos, il y a encore les photos de ta vraie tête, après il y a les photos de toi volées. Si vous faites ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer. Vous l'avez remarqué, mais du coup, vous lui avez fait remarquer. Du coup, il va supprimer ses anciennes photos et après son compte, il sera nickel. Donc, le seul truc que vous allez faire, c'est améliorer un brouteur. Donc, comme je dis à chaque fois, pareil, ne corrigez pas leurs fautes. Laissez-les parler comme des merdes et faire des fautes, faire des fautes de syntaxe absolument ridicules. Merci beaucoup, Katharina. C'est adorable. Vraiment, laissez-les faire ça parce que si vous cherchez à les corriger, vous allez les améliorer. C'est pas le but. Au contraire, essayez de les maintenir dans une médiocrité, tant au niveau de l'orthographe, de la syntaxe, du niveau de géographie. Essayez de leur apprendre de la merde, vraiment clairement, pour qu'ils soient encore plus cramés. C'est le mieux à faire, quoi.
Parce que, voilà, le seul truc que vous allez faire quand vous dites, ah, mais je sais ce que tu fais, gna 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 gna, c'est qu'ils vont s'améliorer. C'est tout. C'est tout. Ça n'a absolument aucun intérêt. Moi, Marie, merci beaucoup, Malalotte. Moi, Marie, à jamais, à aucun moment, je vais lui dire, ben, je me fous de ta gueule depuis le début. Jamais. Marie, Monsieur Fred a aussi d'autres victimes où il se contente sur José. Il essaye d'avoir d'autres victimes, mais il faut avouer qu'il n'est pas très doué en broutage. Il excelle pas tellement. Donc voilà. Il faut rappeler Marie, la pause toilette est finie. Exactement. Parce que oui, c'est ça que je voulais voir. Je crois que Marie m'a quand même demandé. Oui, c'est ça. Je vous montre. Marie m'a quand même demandé d'aller lui acheter des cartes Google Play. Aujourd'hui à 14h11. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bruit de ville. Je pense que Marie, quand si elle entend le bruit de ville, en sachant que je suis sortie de chez moi, c'est elle qui va se faire caca dessus. Ça la stresse. Alors, on a dit que c'était quoi qui était bien? C'est un peu fort là. Comme ça, c'est bien? Ou c'est trop fort? C'est fort. Là, comme ça, c'est mieux? Qui a modifié à tous mes amis Facebook. Je suis tellement désolée, Xena, de lire ça. Je suis sincèrement navrée. Mais voilà, c'est l'exemple type. Est-ce que Xena, tu me permets de lire ton commentaire? Au moins comme ça donne un exemple à TikTok. Hop, hop, hop. Donc, il y a Xeda qui nous dit, moi, je me suis fait arnaquer, il a joué avec mes sentiments en période de rupture très difficile. Il a publié ma photo qu'il a modifiée à tous mes à tous mes amis Facebook. J'ai fait une tentative de suicide. Voilà, c'est exactement ce que j'ai expliqué, c'est que les brouteurs ont l'art de venir à vous dans un moment de faiblesse. Morale, psychologique. Donc, dans ces moments-là, disons que votre capacité de raisonnement ou autre est baissée. Vous baissez la garde, vous êtes plus apte à voir ce qui pourtant se voit comme le nez au milieu de la figure parce que vous êtes faible. Vous êtes dans un état de faiblesse. Et eux, ils vont profiter de cet état de faiblesse pour s'engouffrer dans la brèche et vous manipuler. Vous manipuler moralement, vous manipuler psychologiquement pour avoir de l'argent. Parce que c'est clairement ça. Vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous venez de vivre une rupture absolument douloureuse ou un deuil ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment, vraiment pas bien dans votre vie. Et là, d'un coup, une personne vient vous voir et vous dit toutes les choses que vous aimeriez entendre. Elle vous dit que vous êtes une belle personne, que vous êtes sa plus belle rencontre, que vous êtes une personne merveilleuse, que vous avez illuminé sa vie, qu'elle se met à avoir des sentiments, qu'elle aimerait que vous viviez ensemble, ayez des enfants, achetiez une maison. Et là, d'un coup, tout ce que vous rêviez d'entendre, quelqu'un vous le dit. Même si c'est pour vous qui êtes là tous, doués de raison ou autre, qui êtes pleinement maître de vos capacités morales, ça vous paraît aberrant, mais je peux vous assurer que quand vous êtes dans un état de détresse morale et psychologique, vous n'y voyez pas. Vous ne voyez pas venir et vous mordez à l'hameçon. Et généralement, c'est ce qui arrive aux victimes, c'est que c'est des personnes qui sont en détresse, tant morale que psychologique, qui souffrent d'une solitude ou autre. Donc, on peut comprendre que vous ayez l'envie d'être lu, mais évitez de trop spam vos messages TikTok et Twitch pour que arnaque. Si tu veux. C'est pas facile, ouais. J'essaye de tout lire, mais c'est surtout pour vous expliquer pourquoi j'ai envie de casser des genoux et casser des nez quand on me dit
Faut vraiment être con pour se faire. Attendez, je le mets fait avec la voix de Dalila parce que ça sera encore plus de d'impact sur tout le mépris que je porte à ces gens. Faut vraiment être con pour encore se faire avoir en 2023, moi je pense, hein. Voilà, c'est à peu près tout le mépris qu'il y a pu avoir dans la voix de Dalila, c'est tout le mépris que j'ai pour ces gens qui disent ça. Voyez? Donc voilà. Grâce à toi, j'ai pu sensibiliser ma grand-mère au brouteur. Depuis, elle suit attentivement tes lives avec moi. Alors ça, Katharina, ça me fait plaisir. Vraiment. Ça me fait ultra plaisir. Attendez, j'ai TikTok qui me dit que ça bug. Pas de bug de mon côté, ça vient de vous. Ouais, non. Parce que même chez moi, il n'y a pas de bug. Non, je... Ah non, non, j'ai un débit de malade mental. Donc non, ça vient pas de chez moi. J'ai donné 1200 euros par les sentiments. Et bah voilà, qui est encore un autre témoignage. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment trop... Je suis contente. Je le dis, je suis contente. Que des personnes qui habituellement n'osent pas en parler se sentent assez en confiance sur mes lives pour oser le dire. Parce que... Et ça me fait plaisir que vous osiez le dire. Vraiment. Et vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. À aucun moment vous serez seul et que si vous avez besoin d'un groupe de soutien, vous pourrez en parler. N'hésitez pas à venir, je vous donnerai le lien du groupe. Allez, j'appelle Marie. Marie va faire une syncope quand elle va voir que je suis dans la rue. Son en double. Ah, il faut que je voie d'où ça vient. Allô, José. Oui, José. Eh ben oui. Et bah du coup, je suis en train d'aller acheter des cartes Google Play. Josie, la dernière fois tu es allé au supermarché, tu as fait des dégâts, s'il te plaît. Cette fois-ci, je ne veux pas te pardonner. Je veux le persévère aussi, tu sais. Non, non, je fais pas ce bêtise, je vais juste dans un autre supermarché pour acheter les cartes. Tu sais, tu dois venir, tu dois voyager, donc tu ne dois pas faire des dégâts Je aussi. ferai pas ce bêtise, je sais, je vais pas faire ce bêtise, je vais acheter les cartes. Parce que tu me l'as demandé, tu m'as dit que tu avais besoin de cartes Google Play. Tu peux me faire une carte Google Play, j'ai besoin de ça. Je vais vite fait en acheter, je suis déjà dans la rue de toute façon. Ok, pas de soucis. Et tu Je. ne jettes pas les reçus aussi. Je quoi? Tu ne jettes pas les reçus. Non, non, j'en fais pas. Et je vais pas. José, Oui. José, tu sais, j'ai très peur pour le jeune, tu vois. T'as peur pour le jeune? Pourquoi? Et tu ne vas pas lui faire des dégâts, j'espère. Ah, bah non, pourquoi je lui ferais des égards au petit jeune? Tu parles de Monsieur Lui. Frédéric? Lui, il n'a rien à voir dans notre relation, j'espère. Hein. Mais je vais pas lui faire des égards, Monsieur Frédéric veut juste l'inviter au restaurant. Eh bien, il m'a dit qu'il a trouvé Ah, une cinq minutes, voiture. Marie, je suis désolée. Je vous vais. Oui, allô? On a nos équipes là qui vous ont vu, là, monsieur Beauvais, c'est le père Sylvestre. Vous êtes actuellement en train d'aller marcher dans la rue. Faites attention à ce que vous faites, hein, monsieur Beauvais. Mais je suis juste dans la rue, je vais juste acheter une carte Google Play et Puisque je nous, on vous rentre. surveille, hein. Vous êtes qui? En tout cas, félicitations pour votre voyage à Abidjan. C'est le père Sylvestre, hein, mon petit. Oh, mais Père Sylvestre, merci beaucoup de votre appel, ça me fait très On plaisir. est en train de vous bénir l'avion, vous inquiétez pas. Oh, ça me... Oh, bah, merci beaucoup. Père Sylvestre, je suis justement au téléphone avec ma femme, Marie, qui m'a dit exactement comme vous que je ne dois pas faire de bêtises.
Non, faut pas faire de bêtises, hein, monsieur Beauvais, parce que sinon après ça va partir en couille. Hein. Moi je vous le dis, monsieur Beauvais. Mais non, vous en faites pas, je vous le promets, Père Sylvestre. Je ferai pas de bêtises. On est en train de vous bénir votre avion, vous inquiétez pas. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Vous êtes en train de bénir l'avion. Ah, c'est. Par contre, monsieur Beauvais, moi je vous préviens, hein. Faites pas de conneries avec le poulpe dans la soute. Non, je ferai pas de. Je veux plus m'approcher des poulpes, je crois que ça m'a intensiné, traumatisé. Vous allez emmener Géraldine ou pas? Parce que si vous faites un poulpe flexion, moi je vous le dis, hein. Et puis même que là, je suis en train de foutre ça au chômage, mais ça vaut pas sans imitation, hein. Je pourrais peut-être emmener Géraldine, oui, ça lui ferait peut-être plaisir de prendre l'avion. J'y ai pas pensé. Oui, comme ça, après, ils vont vous la bouffer. Ah non, ils mangent des autruches en Côte d'Ivoire? Non. Ah non, moi, ils me mangent pas Géraldine. Quand ils bouffent les autruches, c'est comme nous, vous savez, regardez. On bouffe de la terre à Noël et en Chine, ils bouffent des chiens, donc. Ah d'accord, bah je le savais pas, alors je vais. Bah je prends pas Géraldine, alors. Je prends pas Géraldine, non, je demanderai à Lily de s'en occuper. Bah je demanderai à Lily de s'en occuper à ce moment-là. D'ailleurs, est-ce que vous avez besoin d'un guide en Côte d'Ivoire? Si vous voulez, j'en ai un. Ah, je veux bien, ce serait sympa. Vous avez ça sous la main? Attendez, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Merci. Attendez un petit peu, je vais passer le téléphone. J'attends. Marir? Oui? Marir, il y a le père Sylvestre qui est en train de bénir l'avion. Bonjour, mon gros José, comment vous allez? Oui, bonjour. Ce sera vous le guide pour la Côte d'Ivoire? Du coup, je me présente, hein. Je vais être votre accompagnateur pour votre voyage. Ah, c'est super. C'est quoi votre petit prénom? Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous, on va faire le tour de beaucoup d'endroits. Donc, on va aller à Bobo, on va visiter beaucoup Abidjan, on va visiter beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. C'est génial. Alors, il y a juste. Il faudra me laisser un petit créneau de 2-3 heures. On va aller à Soubri, on va aller à Moussoukouro, on va aller à Bengourou, à Daloa. On va aller à Ferkesoudoukou, à Grand Bassam, on va aller à beaucoup d'endroits, puis on va vous faire goûter beaucoup de plats. Ah, c'est super. Alors, il faudra juste que j'ai 2-3 heures de libre, parce que je dois rencontrer Monsieur Frédéric pour lui donner les... Mais si vous voulez, moi, je peux prendre l'avion avec vous, parce que là, je suis actuellement à Paris, donc votre vol est la Charles de Gaulle. Moi, je prends un billet d'avion avec vous, si vous voulez, bien sûr, hein, mais vous inquiétez pas, Madame Guimois m'a déjà tout payé d'avance. Donc si vous voulez, moi je peux tout visiter avec nous. Je suis ému. C'est tellement gentil. Enfin, que Dieu vous bénisse, surtout le Père Sylvestre. Que le Père Sylvestre vous bénisse. Ah bah c'est très gentil. Je suis vraiment content. Comment vous allez, mon gros José? Bah ça va bien, je suis tellement impatient d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que si vous voulez, nous on va pouvoir manger au KFC, hein. J'aime pas trop le KFC, vous savez, le poulet. Les poulets, c'est un peu des bébés autruches. Vous connaissez le KFC de Abidjan? Non, je connais pas. Il est bien? On va aller manger au KFC de Abidjan, alors. D'accord. Bon, bah, il est mieux que le KFC de Paris ou de Lyon? Et du coup, là, je vois, il y a le Jos qui arrive, hein, et donc on lui fait plein de bisous. Vous pouvez faire des bisous à le Jos, monsieur Beauvais? À qui ça? Le Joss, c'est son projet. Ah oui, bien sûr. Ah ben bien sûr. On peut faire des bisous à le Joss, oui, il n'y a pas de problème. On lui fait plein de bisous. Il y a monsieur Sylvestre qui n'est pas content. Pourquoi? Je ne suis pas content, espèce de résidu de putain de sort de Black 40. T'as voulu me foutre de chemin, cette espèce de petit con, je te jure. Oh putain, on va le renvoyer. S'il vous plaît, vous ne disputez pas. On va pas se disputer, moi je vais lui péter sa gueule, je vais lui faire bouffer ses dents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amène tes bêtes. Moi je te le dis. Donne-moi ça, je suis José, bonjour. Oui, Père Sylvestre.
Oui, je regrette ce qui vient de se passer, pardon aux familles, tout ça. C'est la colère qui m'anime, comme c'est pas souvent cette colère-là qui m'anime, hein. Où je pense, hein? Oh putain, espèce de petit con! Oh putain, il va pouvoir la Pulp Fiction! Mais c'est pas toi qui vas gagner, hein? Cette fois, c'est pas toi qui vas. On t'a viré de l'avoir accompagné! On t'a viré de l'avoir accompagné, espèce de petit con! Tu vas baisser les yeux, tu vas baisser les yeux! C'est toi qui vas baisser les yeux, ma petite merde, avec ta gueule bouffie et ta tronche de mal à main! Tu vas baisser le pantalon, espèce de petit enculé! Ah non, pas le pantalon! Le treillis, c'est affreusement difficile à repasser, après c'est compliqué, hein! Est-ce que vous pourriez me rappeler? Écoutez, hein, parce que moi je vais vous mettre une capouille dans la gueule en dédicace à la là, ta gueule, José. On va vous défoncer la gueule, Persifès, parce que c'est moi le seul et le vrai et l'unique, hein? Ouais, le seul et le vrai et l'unique, hein? Toi, je te jure, il y a plus de 0 et de 1 qui composent ton code source que ma feuille d'impôt, hein? Je te jure, mais toi, je vais te défoncer la gueule, hein? T'es foutu au chômage, jamais te portera la soutane aussi bien que je te porte le famas, hein, ta gueule, j'ai pas fini de parler, je te dis. Non mais c'est pas possible, ça. Bon, écoute, de toute façon, c'est pas compliqué. Je vais l'avoir compagnie et puis je te fais de la gueule parce que laisse-moi parler, tu me sais, d'accord? Oui, écoute, de toute façon... Je te porte calmement, je te dis juste de te calmer parce que sinon, tu vas finir la tête entre les jambes. J'ai la tête dans le cul, je te parle pas de l'expression, c'est vraiment la figure, hein. Écoute, moi j'ai déjà mis la tête entre les jambes de quelqu'un, et c'était pas quelqu'un qui était mort, hein. Eh ben, moi, je te demande de le faire, hein, José. Je joue plus, t'as gagné, j'abandonne. Monsieur José, je vous souhaite bonne bourre, bonne continuation. Voilà, il a des arguments, je peux pas m'aligner, hein. À force de constater que là, je tire pas la route. Des bisous, monsieur José. Je vous fais des bisous aussi, merci. Et faites attention à vous sur la route, on vous a vu avec les cartes Google, hein. Faites attention, on vous connaît, hein. Je Et fais bon attention. Bon voyage à vous, Père Sylvestre, on aura un œil sur vous par le radar. On surveille tout ce qui se passe à la voie de compagnie. On aura un voyage avec monsieur Marie, avec tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Ouais, on surveille tout qu'est-ce qu'il faut à la voie compagnie, vous inquiétez pas. On fait en sorte que ce soit 5 étoiles inoubliables, monsieur José. D'accord, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. C'est très gentil. On vous fait des bisous, monsieur Bouvet. Merci. Des bisous, monsieur Bouvet. Merci, bonne soirée, hein. Bisous, tout partout. Tout partout. Et vous touchez plus au poulpe, hein, on a compris les poulpes. Non, je ne touche plus au poulpe, c'est bon, promis. C'est fini, hein. Faut pas faire Pulp Fiction, exactement. T'arrives même pas à articuler ta race, toi, je te jure. C'est moi que je l'ai dit, Sylvestre. C'est moi qui dis Pulp Fiction, hein. Oui, Sylvestre, mais toi, t'as dit fiction, moi, j'ai dit fiction. T'as pas l'accent à Merlin. Toi, tu parles comme un fromage qui pue. Arrête de faire des défécations sur toi-même, parce que les fromages qui puent, ils t'emmerdent. Bon, écoute, on va rester là, parce que manifestement, on va s'accorder sur notre désaccord mutuel, Sylvestre. C'est compliqué, hein, quand il n'y a plus d'un mot dans la phrase, je ne suis plus, hein. Ah, le processeur, il est débranché, là, hein. Hein, fromage qui pue de mes deux, là, hein. Ça surchauffe, ah, bah ouais, hein. Bon, allez, beurre, monsieur José, beurre. Bonne soirée. Marire. Oui, je pense que le père Sylvestre, il boit pas que de l'eau bénite. Hein. Je pense qu'il boit aussi le vin de messe. Je pense qu'il était un petit peu assassiné. Je suis presque arrivée au magasin, ceci étant dit, mais j'ose pas trop... Habituellement, quand je sautille sur place, mais vu qu'il a dit père Sylvestre qu'il me surveillait, j'ose plus oser. J'ose plus sauter. Tu rentres au supermarché, tu achètes les cartes et tu rentres directement, tu ne choisis rien d'autre que des cartes. Non, de toute façon, je m'approche plus des poisons, ça me fait peur. Les poulpes, c'est hyper dangereux. Oui, j'ai perdu une couille dans le combat, hein, je te rappelle. Hein. Oui, je sais. Tu vas directement aux cartes, tu les achètes, tu prends les reçus, tu les envoies à la maison. Ouais, d'accord, c'est ça.
Oui, je fais ça. Eh bien, donc tu ne pourras plus voir le jeune Frédéric? Ah si, je pourrais voir le jeune Frédéric, c'est simplement que Père Sylvestre, il m'a proposé un guide qui va m'accompagner. Tu sais, pour aller voir Frédéric, c'est vous devez avoir une tête à tête, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais oui, non, je resterai qu'avec Frédéric, hein, j'ai pas envie que le guide, de toute façon, il connaît la Côte d'Ivoire, alors il m'attendra le temps que j'aille manger au restaurant avec Monsieur Frédéric. Il m'a dit qu'il va faire juste 2 heures avec toi. D'accord, et bien 2 heures, ça me va. Le dimanche, il est beaucoup occupé. D'accord, et bien 2 heures le dimanche. Ok. Donc tu vas directement droit au 4, tu les achètes et tu rentres. Tu sais très bien que le père Sylvestre te surveille. Oui, il me surveille, il me l'a dit. Il me fait assez peur comme ça. Hein. Ok. C'était un homme très gentil, tu sais. Oui, c'était un saint homme. Merci, père Sylvestre, d'être là. Ah, ça y est, je viens de rentrer dans le magasin. Je te rappelle une fois que je suis passé en caisse. Bisous, ma couille. Ok, bisous. C'est sans fin, en fait. C'est sans fin, ça s'arrête jamais. Pauvre José, tu es démasqué. Comment il ne sort pas, tu vas encore faire des bêtises. Mais je fais des bêtises si je veux. Si j'ai envie de foutre le feu à un camion de pizza, je fous le feu à un camion de pizza, merde. José est un homme adulte, majeur, vacciné. Enfin, je suis pas sûre qu'il soit à jour dans ses vaccins. Mais il a eu la primo-vaccination comme les chiens et les chats, ça c'est sûr. Il te surveille, le père Sylvestre. Cette phrase épique. José va brûler le magasin car Kessie lui a mal parlé. Non, mais il s'arrêtera un jour pour lui, j'entends. Oui, bah déjà dimanche, quand il va se déplacer à Abidjan pour rien, j'ai envie de vous dire que ça va un peu être la déchéance pour lui. Mon Dieu. Fais-lui croire que tu t'es fait brouter par un autre brouteur. Je lui ai déjà fait. Que c'était Florent Pagny. Et il m'a dit, tu donnes les sous à Florent Pagny et après tu arrêtes. Il m'a dit. Donc, je lui ai déjà fait. Il est loin d'Abidjan, j'ai même pas regardé. Attendez. Faut que j'aille chercher mon chargeur. Comment ça s'écrit, je pense, comme ça? Ville en Côte d'Ivoire. Voyons voir. Donc, c'est où? Ah, ça a quand même une petite trotte, hein. Si je fais un itinéraire, si je fais Bassam... Attendez. Alors, votre position... Non. Alors, attends. Abidjan. Aéroport d'Abidjan. Aéroport. Abidjan. Abidjan. Voilà. Oh non, ça va. Il est à 33 minutes. Ça va. Ça va, il va faire. Il est à côté, en gros, de. Eh ben, à chaque fois, je lui parle de Port-Boué. Je savais même pas que Bassam était à côté de Port-Boué. Et à chaque fois, je lui dis que c'est là que j'ai fait mes scouts. Et en fait, Bassam est juste à côté. Et il y a même Bassam Beach. Non, mais je mens pas. Hein. Je vous montre, je fais un petit zoom parce que c'est énorme le nom. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Ah bah non, avec la ring light, il y a bien écrit Bassam Beach. Il m'avait dit là qu'on verrait la lagune et en effet, il y a la maison de la lagune. Alors attendez, il faut que je me choisisse un hôtel d'ailleurs. Et là, je vois qu'il y a Hôtel Beaublin la mer. Hôtel La Madrague. C'est bien ça. Assoyam Beach. Ça a l'air bien aussi. Il faut que je me choisisse. Golden Palace Hotel.
Prends le coucou. C'est quoi cet hôtel-là? Je veux savoir. Non, parce que s'il y a d'autres personnes qui sont déjà allées à Abidjan, qui ont des petits conseils à me donner pour mon voyage imaginaire en Côte d'Ivoire, à Abidjan, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me donner vos conseils pour mon voyage imaginaire, hein. Oui, il faut qu'il voilà, il faut qu'il y ait une piscine dans l'hôtel que je choisis. C'est important. Parce que je lui ai dit que j'avais choisi un hôtel avec piscine, parce que sinon je transpire vite de la couille. Je lui ai dit exactement. Donc, choisis un hôtel le plus éloigné de l'aéroport et de chez lui pour le faire vadrouiller, genre tu lui dis que tu es déjà à l'hôtel. C'est pas bête ça. Le Pullman à Abidjan. Prends un 4 étoiles, ouais, je veux vraiment un. Je veux vraiment un haut standing sur Abidjan. On va chercher ça. On va taper hôtel 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles. Avec piscine. Je pense que le plus d'étoiles que j'ai fait, moi, dans un hôtel, c'était quoi? 3 étoiles? Hôtel 5 étoiles avec piscine, Abidjan. Voilà. Allez, on va chercher ça. Le top 10 best suites à Abidjan. Allez, on va regarder ça. Et j'en profite pour te demander comment on sait qui est Frédéric. Bah, simplement, Frédéric, c'est lui. Ni plus ni moins. Il va venir en taxi-vélo. Ouais, il va venir, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le Mövenpick Hôtel Abidjan. Ah, c'est marrant parce que Mövenpick, c'est de la glace en Suisse. Oui, c'est de la glace. Donc, je viens du 2 septembre au 9. Voilà. Rechercher. Bah, le Mövenpick, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Je veux le plus cher, donc je fais comment pour classer? Je veux vraiment le plus cher, là, 180, 255. Ah, mais c'est en régression. Non, moi, je veux le best du best, quoi. 244, il n'y a pas plus cher? Non, mais allez, là, pour une fois, je peux faire ma bourgeoise imaginaire. Le Sofitel Ivoire, c'est le plus cher. D'accord. Eh bah, ben, va pour le Sofitel, alors. Sofitel, faut faire attention. Des fois, il y a des SK. Bah, ça va, tant qu'il prend pas de douche. Il faudrait faire un montage photo avec José et le mauvais Frédéric avec une pancarte, monsieur José. La maison Palmier à Abidjan. Oh, si, alors. S'il vous plaît, allez m'écrire tout ça sur le Discord parce que vous doutez bien que là, tout ce que vous êtes en train de me dire, je vais l'oublier. Mövenpick, c'est un resort. Oui, mais. Moi, je caste sur ma TV les lives, c'est ma série du moment. Toute la famille en profite. Oh là là, il y a toute ta famille qui regarde. En même temps, je viens de voir que vous êtes quand même 331 sur TikTok, ce qui est. Énorme. C'est ouf. C'est ouf. Avant, on était plus nombreux. Je sais pas combien vous êtes. Ah, voilà, j'allais dire. Avant, on était plus nombreux sur Twitch que sur TikTok. Mais en fait, non, on est toujours plus nombreux sur Twitch parce qu'ils sont 445. Le lien marche pas. Ah, bah alors attends, il faut que je t'en génère un nouveau. Attends un instant. Évidemment, Discord est là. Attendez. Attendez juste un instant. Évidemment, j'ai pas de batterie. Je suis quand même co ou pas? Juste un instant. Bon, bah voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas fait exprès. Oh là là.
Ça crie dans tous les sens. Merci, Popera. 100 bits. Alors, tac. La timbelette. Hop, hop. Comment on fait déjà? C'est inviter des gens, hein. Oui. Modifier le lien. Expire après. Jamais. Générer un nouveau lien. Voilà. Copier. Et comme ça, je vous le colle. Tac. Ctrl V. Voilà. Et je peux faire pareil sur Twitch. Ctrl V. Ça ne servira à rien. Vous n'allez pas avoir le temps de le copier. Voilà. C'est bon. Je crois que j'ai mis partout. C'est good? Dites-moi si c'est bon. Je découvre la chaîne et c'est un plaisir face à ton côté perfide face au brouteur. Oh, je reste quand même gentille. Hein. Je suis pas du tout dans l'agressivité. Hein. Si des fois je suis un peu, je me lâche un peu sur ma rire, je l'avoue, je fais ma vénère. Et il t'appelle pas quand tu mets du temps à le rappeler? Non, généralement, Marie est patient. Hein. Marie, ça fait 3 mois. 3 mois et 10 jours aujourd'hui. Mets le lien en message épinglé depuis le début du live. Mais le lien est en message épinglé depuis le début du live. Ah, je savais pas. Sauf Kenji, mais il saoule de ouf, lui. Mais oui, mais il est affreux, Kenji. Kenji, le Kenji que j'ai eu, il était juste horrible. Hein. Soyons honnêtes. Oh, ma motte de beurre, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un câlin? Viens. Viens. Bah viens, motte de beurre. Viens voir. Viens montrer ton gras. Voilà. Pour une fois que c'est pas Terton, mais que c'est Bidule. Ça va, mon gros chat? Oui, oui, tu veux des gratouilles, toi. Hein. Non, il veut pas mon câble, lui, c'est Bidule. Lui, Bidule, il fait pas de bêtises. Lui, Bidule, il est gentil. Il est gentil, il fait jamais de conneries. Il m'a jamais fait de conneries, lui. Jamais, vraiment. Hein. Il a jamais attaqué un rideau, il a jamais attaqué une chaise, il a jamais fait ses griffes dans nulle part. C'est un bonheur. C'est un bonheur, ce chat. Ah, mon gros chat. Oh, oui, c'est un gros chat d'amour, ça. Il veut des câlins, là. Oh, bah dis donc, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il est bien ami avec Terton. Terton, c'est une relou. Hein. Elle fait que de l'attaquer. Et lui, il dit rien. Il est trop gentil, lui. Hein, t'es trop gentil. Bah oui, t'es trop gentil. Oh là là, vous êtes super, toutes les photos que vous avez envoyées, là. C'est génial, je viens d'aller voir. Le chat Terton, j'aime beaucoup. Oui, il faut savoir que tous mes animaux ont des noms de merde. Réellement. Il n'y en a pas un qui... Si, le chien, il est relativement épargné. Ça va. C'est bon, ça va, t'as fini, là? Les enfants aussi ont des noms de merde? Ouais, aussi. J'ai les mêmes, mais en femelle. Une gentille et l'autre qui attaque. Ouais, c'est ça. Bah, lui, c'est un mâle, mais c'est un amour. Il a toujours été gentil, ce chat. Et on a... Enfin, on avait, parce que maintenant, il ne le fait plus depuis qu'il y a Terton. Mais on avait un rituel, c'est que tous les soirs, depuis qu'il est petit, hein, il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas chat. Moi, je suis chien. J'aime pas les chats. Et depuis que je l'ai, bah, tous les soirs, il m'attend dans les escaliers pour que j'aille me coucher. Et tous les soirs, quand je le vois, je lui dis « Bidule, t'es qu'une merde ». Et il sait qu'à ce moment-là, il faut monter pour aller dans ma chambre et qu'il va avoir ces cas-là. Et c'était le rituel du soir. Maintenant, il ne le fait plus. Il ne le fait plus parce que maintenant, je suis obligée de fermer ma porte parce que sinon, Terton, elle rentre et elle pisse sur mon lit et ça me gave. Du coup, bah, Bidule, il ne peut plus dormir avec moi. Oui, c'est bon, j'ai compris, là, mon chat. C'est gentil, mais... La violence pocha. Mais non, mais il est... Lui, il faut savoir, c'est un pacha. Je sais ce qu'il veut d'ailleurs. Il veut des croquettes.
Tu veux... Ah, mais t'es trop gros pour passer, c'est ça? Ah, bah oui, la porte était pas assez ouverte. Terton, c'est une thug. Terton, c'est une relou. C'est une relou en puissance. Bon, je vais rappeler Marie. Je m'étais arrêtée où? J'étais au magasin, hein, c'est ça? Donc là, je vais mettre quoi comme bruit? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme bruit? C'est bien ça, non? Ne fais pas de bêtises. Mais non, c'est la fête foraine, ça. J'aime bien la fête foraine. Mais c'était pas celle-là, ma préférée. Ma préférée, c'était celle-là, je crois. Attendez. C'était où? C'était dans quoi que je l'avais trouvée? Je sais plus. C'était être là où il y avait le petit robot, mais je sais plus où il est, le petit robot. C'était trop bien, le petit robot. C'est quoi ça? Bye bye. Oh là. Je connaissais pas ça. C'est quoi ça? Comment on coupe ça? Comment on coupe ça? Tu es censé habiter où pour Marie? À Lyon. Je dis toujours au brouteur que j'habite à Lyon. Non, j'avais dit la dernière fois que j'avais mis ça. Ça, c'était quand j'avais dit que il y avait des gens qui étaient venus. Après que j'ai tué l'autruche après l'accident de voiture. José se fait aduler car il est le millionième client du magasin. Je t'ai mis un lien pour une chambre sur Abidjan à 834 euros. Bah voilà, ça c'est plus dans mes prix. Quand même. Il était temps. Et voir à quoi ça ressemble. Une chambre à 834 euros la nuit. Ah mais non, mais c'est une maison entière. Non, non, moi je veux vraiment un hôtel. Hein. Je veux un hôtel, maison entière, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me fasse à manger. Non, non, je veux un hôtel. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne changer mes draps et que je lui fasse l'action de DSK. Oh, ça rime. Bon, c'était dans quoi le... Je suis en train de chercher. Hein. Le petit robot, je sais plus. Je sais plus c'était dans quoi. Parce que là, hormis les... Ah, c'est quoi ça? Ça a l'air joli. Un bruit de calèche. Oh, comme c'est apaisant. Non mais c'est trop agréable. Vous voyez, là, il y a Terton qui est en train d'attaquer Bidule. Oh, mais c'est trop agréable. Vous trouvez pas? Bonjour, je t'ai découvert il y a quelques jours et j'ai adoré ce que tu fais. Continue comme ça. Merci beaucoup, Lilura. José a des contacts avec DSK? Non, José n'a aucun contact avec personne. Il faut juste que j'arrive à retrouver où était le petit robot. Je me rappelle plus. Ah, il était là! Ce bruit me... C'était quand même génial, hein, le petit robot. Mais du coup, il y avait un truc où ça faisait...
Il y avait le clown et ça faisait un autre truc. Mais je sais plus où c'est ça le problème. J'y retrouve pas. En fait, en grosse quiche que je suis. Non, c'est pas ça, du tout. Mais j'y retrouve pas, hein. Je suis vraiment une quiche. Vous le saviez. De toute façon, je vous apprends rien. Ah, c'est là! C'était celui-là. Allez. Vous l'entendez assez? C'est assez fort ou pas? Ou alors il faudrait une alarme en disant que j'ai déclenché l'alarme du magasin, mais dans quoi je pourrais y trouver ça? Est-ce qu'on peut chercher? Non. Parce que là, il n'y a pas d'alarme. Non, il n'y a pas d'alarme. Non. C'est pas du tout une alarme, ça. Ça me rappelle un jeu vidéo. C'est vieux. C'est vieux. C'est un vieux jeu vidéo, ça me rappelle. Metal Gear. Voilà, merci. Merci, Lalin. C'est bon. C'est bon, c'était bien ça. Voilà, vous voyez, j'ai quand même une bonne mémoire. Je me souviens du son. Je me souviens pas du nom du jeu, mais je me souviens du nom du son. Enfin, du son. Bref, vous m'avez compris. C'est quoi ça? Ah, non, c'est pas ça. Là, il n'y a pas des. Non. J'ouvrirai une alarme. C'est quoi ça? Non. Non. Space. Non. Non, non, non. Ça, peut-être là? Je sais pas. Ça fait peur. Est-ce que je fais venir Gripoil? Mais c'est de la folie ce truc! Oh mon Dieu, c'est violent quand même. C'est violent. Quand j'ai des sons comme ça, mais c'est affreux tout ce que j'ai envie de faire à ma rire. C'est horrible, c'est horrible. José a volé le cheval de la police montée. Non mais je voulais juste le. Le bruit d'une alarme, quoi. Et je trouve pas. Attendez, c'est quoi ça? Je viens de voir ça. On va pas m'autoriser, hein. Mais je crois que je trouverai pas le bruit d'alarme. Hein. Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ça. Non, 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 non. Non, je trouverai pas de bruit d'alarme. C'est dommage. J'aurais bien aimé. Bon. Massacre à la tronçonneuse façon José. La tronçonneuse, quand José est énervé contre un brouteur, dit à Marie que tu as tué la caissière car elle ne voulait pas te donner de monnaie du. Okay. Oh, je vais arrêter. José n'est pas si taré que ça. Je vais pas découper quelqu'un la tronçonneuse parce qu'il a mal rendu la monnaie. Oui, j'aurais voulu un bruit d'alarme. Et je trouve pas. Il n'y a pas, enfin, y a, du moins, il n'y a pas là-dessus. C'est pas tellement alarme ça. Hein. José, sois sérieux, tu vas à Abidjan dans 3 jours. Oui, c'est vrai, je vais pas foutre la misère
à Marie maintenant, quand même, je vous rappelle que déjà, je le fais déplacer jusqu'à l'aéroport pour moi. Oh, je suis tellement contente. Je suis tellement contente de savoir que je fais déplacer un brouteur pour moi, je vous jure. Un bruit de chat qui ronronne. Je crois que c'est mon câble qui fait ça, non? Je sais pas. Liam Kelton, j'aimerais cruellement pouvoir le faire, sauf que la police est ultra corrompue, donc je ne peux pas. En plus, ça coûte cher d'aller à l'aéroport. Ah bah zut alors, ça lui coûte cher de se déplacer. Mais en même temps, il se déplace en pensant avoir un iPhone et 10 000. Donc... Trouver pour toi, va sur Discord. Oh, la photo de l'avion en feu. Tu me l'as envoyé où? Sur le Discord aussi. Il faut que j'arrive à savoir. Attendez, je cherche. Attendez, je vais baisser le son. Mais j'ai pas le son. Au point où on est jeûné, José fait un crash d'avion et se retrouve sur l'île de Lost. Ça pourrait, hein. Ouais, je vais taper, mais je voulais pas le faire avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Non. Ben voilà, allez, on va lui faire le vocal. En mettant quand même un bruit de gens pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Hein. Attendez. Non, c'est là-dedans. Et j'avais dit que je mettais ça. Je vais mettre les klaxons. Oh, le bordel. C'était Hiro. Allez, go. Marie, j'ai déclenché l'alarme du magasin. Le bouton rouge, il m'intéressait. Là, il y a maintenant tout le monde qui sort. Je te rappelle plus tard. Hein. Je te rappelle plus tard, Marie. Attendez, je vais écouter ce vocal parce que ça me fait toujours rire de faire des vocaux comme ça, Marie. Ça me fait toujours... Finalement, José s'est rabattu sur un calamar, c'est moins dangereux. Allez, on écoute le vocal. Alors, je sais qu'il faut que je désactive voix WhatsApp pour vous faire écouter, sinon vous entendez en double. Marie, j'ai déclenché l'alarme du magasin, le bouton rouge, il m'intéressait, là, il y a maintenant tout le monde qui sort. Je te rappelle plus ça, hein. Je te rappelle plus ça, Marie. José,
Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a parlé à Marie et à Monsieur Frédéric et que Monsieur Frédéric va bien venir me chercher à l'aéroport. C'est pas ma faute, il y avait écrit appuyer ici, c'est totalement ça. Je vais lui dire ça. Voilà, on va rester par là. Je suis affreuse. Mais c'est pas ma faute, j'avais écrit appuyer ici. Moi j'ai appuyé ici et après ça s'est mis à sonner ma rire. Pauvre Marie. Mais c'est pas ma faute, j'avais écrit appuyer ici. Moi j'ai appuyé ici et après ça s'est mis à sonner ma rire. Ah là là, attends.